un test des tests. Il y a eu récemment, si vous avez tous l'application Xbox Game Pass sur votre téléphone ou sur votre tablette comme moi, il y a eu récemment des ajouts au Game Pass. Il y a eu 4 ajouts très récents au Game Pass, Assassin's Creed, il y a eu Assassin's Creed Origins, donc ça c'est un bon jeu, il n'y a pas de souci. Même si c'est un jeu de rétro, hein, c'est du rétro gaming. On est en 2022, c'est un jeu de 2017, hein, donc c'est du rétro gaming. La poussière, ils ont mis une petite couche de blotch et puis de vernis pour faire beau, du style. Il sera en meilleure qualité sur Series X. Il y a Chorus qui était en démo gratuite jouable récemment sur le store, hein, Xbox, qui est maintenant sur Game Pass en entier, donc voilà. C'est un beau jeu de... Il est beau, hein, y a pas photo, c'est pas un triple A hein, pour autant. Mais c'est un beau jeu de vaisseaux spatiaux, si vous aimez bien les vaisseaux spatiaux, c'est ça. Et il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ont été ajoutés récemment? Donc il y a Disc Room, pardon, on va y arriver. Disc Room, voilà, c'est un jeu soi-disant de casse-tête. Oui. Casse-tête. C'est sur le Game Pass. Hein. Est-ce que c'est un jeu de merde? Moi, je dirais que c'est un jeu de merde. On est sur Series X. On paye un Game Pass 13€ par mois. Hein, Ultimate. On est en 2022. C'est pas pour jouer à des jeux de Master System. C'est un jeu de Master System. Ou un jeu de tablette, si vous voulez. Ou de smartphone. Mais c'est pas un jeu pour une Series X, quoi. Voilà, donc c'est un jeu de merde. Et après, on va tester Space Line from the Far Out. Qui est aussi un jeu de merde, qui n'a rien à foutre en 2022 sur une série X à 500€. Voilà. Mais, il y en a qui diront que c'est un bon petit jeu rétro gaming. Ouais, mais ça sert à rien de claquer 500€ pour une série X pour jouer à des jeux de merde pareil. Alors, utilisez le stick analogique gauche pour vous déplacer. Alors, vous avez pu voir quand j'ai lancé le jeu qu'il y avait une sauvegarde de 6%. Bah oui, j'ai testé avant. Hein. C'était un petit peu avant, maintenant je vais faire ça. Je vais tester un petit peu avant sans aller directement sur le truc parce que sinon je pense que je vais encore plus être méchant envers Microsoft et ses actionnaires qui se foutent vraiment de la gueule de ses clients joueurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser le stylet gauche pour vous déplacer. Youpi, youpi, on déplace le petit bonhomme dans la petite zone, là il n'y a rien, vous voyez. Voilà, il se déplace, il est content. Et voilà. Et là commence les emmerdes. Comme vous pouvez voir. Ah! Donc voilà. Le principe du jeu, c'est ça dans toutes les salles. Il n'y a que ça sur ce jeu. Voilà. Ça, c'est un jeu pour moi qui vaut même pas 1€. Qui devrait être gratuit. Mais gratuit, même pas dans le Game Pass. Il devrait être donné aux gens. Putain, vous n'allez pas me dire qu'il faut quand même plus qu'une personne pour jouer à ce jeu. Et pour le créer, ça. Ça là, cette horreur là, ce truc là là, on est sur Series X, merde, putain. Alors, tu es qu'à partie de TX, 1 sur 4, voilà, survivre 5 secondes, c'est fait. Et donc, t'as une porte qui se débloque quand t'as ouvert, voilà. Donc, il y a un écran noir qui vient de se passer parce que j'attendais trop longtemps. Pour ouvrir la porte là-bas, voilà. Donc, vous, soit vous passez à gauche et vous faites A, soit vous revenez là, mais vous pouvez pas là. Alors, vous venez de là. Et c'est parti. Donc, là, ça n'a rien ouvert, faut relancer. Là, ça revient en arrière. Là, on peut revenir en arrière si on veut tenir plus longtemps. On peut aller de nouveau. Voilà. Oh, intérêt zéro. Intérêt zéro. Zéro pour l'intérêt. Voilà. Alors, vous avez un nouveau pouvoir. En appuyant sur A, vous pouvez vous dématérialiser. Super. Super. «
Donc voilà, alors si vous tenez plus longtemps, ça va vous ouvrir les portes qui sont à droite ou à gauche. Voilà, alors moi, j'ai tourné, je l'ai fait la première fois jusqu'à 6%. J'ai débloqué les succès qui vont avec, hein. Il y a 35 succès pour ce jeu. Voilà. C'est 20 pour des gardiens, machin chouette. Des glands, c'est le mode difficile. Enfin, voilà. Plus surveiller en seconde et vous gagnez des succès, c'est super. Donc en fait, il n'y a pas besoin de plus de 5 minutes, on va arrêter là. Voilà. Ça, on est en 2022, on est sur Series X à 500€ et on joue à un putain de jeu Master System et encore. Et encore. Mais putain. Allez, à plus dans l'Airbus, hein, comme on dit. Et puis on va jouer à notre jeu. On joue d'après. L'autre jeu de merde qui est arrivé sur le Game Pass. Hein, pour ceux qui savent pas, le Game Pro qui contient 99% de jeux de merde qui sont rétro gaming ou indépendants. Et 1% de jeux qui sortent du lot, voilà, pour 13€ par mois. Merci à Spencer, à ses actionnaires, et à Microsoft Xbox, pour ces jeux de merde.